Nous ferons les discours au monolithe, donc nous reprenons la marche. Mais vous avez vu combien le cimetière a changé, et nous en remercions la municipalité, et vous allez le découvrir tout au long de ce parcours mémoriel. Maintenant, tout est ancré à Argelès, tout le long du parcours mémoriel. On pourra suivre l'histoire des républicains espagnols qui ont pris ce chemin de la retirade et le chemin du camp de concentration. Nous reprenons la marche. Rassembler pour dire quelques mots après cette marche et ensuite vous pourrez voir l'exposition sur la plage que nous retrouvons ici, donc sont présents le consulat d'Espagne, monsieur le maire d'Argelès-sur-Mer, les associations, les présidents d'associations mémorielles et puis vous tous
chers amis, chers camarades, chers républicains espagnols, fils, filles et petits-fils, ce parcours que nous venons de faire, c'est leur chemin. Nous avons marché sur le sable commun dans de meilleures conditions et nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont travaillé pour le contenu des panneaux avec les QR codes, la municipalité surtout qui a mis en place ce parcours mémoriel. Pour nous, Free, c'est la 20e marche. 20e marche pour ces chemins de mémoire. 20e marche que nous partageons avec vous. Et nous continuerons. Ça, c'est le message. Nous continuerons à marcher et nous continuerons à transmettre. Nous sommes là pour tous ceux qui sont passés par tous ces chemins de montagne, qui ont fui les bombardements. Mais nous savons pourquoi ils étaient là. Ils étaient là pour des combats, pour des luttes, pour des valeurs. Et nous continuons à les partager et à dire qui ils étaient. Ça, c'est important de le dire aussi quand nous transmettons. Nous parlons de leur souffrance, mais nous parlons aussi de leur résistance. Ils étaient des résistants, des combattants. Ne l'oublions pas, où qu'ils soient, avec un point de départ souvent, le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur le Consul qui souhaite parler de tous ces Espagnols qui se sont retrouvés ici dans les camps de concentration et ensuite à Monsieur le maire d'Argelès-sur-Mer. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais simplement tout d'abord remercier très spécialement le maire pour sa présence ici, à nos amis de Free. Et si vous me permettez, à toute cette grande famille, que si vous me permettez, j'aimerais bien utiliser le terme de la famille de l'exil. Parce qu'à la fin, ce sont tous qui se sont impliqués dans ce sentiment d'appartenir à, pas à une histoire, mais à les émotions d'un passé dans lesquelles il y a des familles, il y a des drames profonds duquel chacun de vous y participe. Cette plage, le jour d'aujourd'hui, ça me donne toujours le contraste entre ces hôtels et ces esprits agréables et de vacances qu'on peut évidemment voir, le contraste avec ce que signifiait passer les jours et les semaines dans la froideur de cette plage, de cette humidité, de se cacher au sable pour survivre. Je me demande quelquefois si cette espèce de contradiction entre ça qu'on voit et ça qu'on témoigne sur la sable, si ce n'est pas une façon de nous faire comprendre que même si notre réalité, si la vie qu'on a est plus agréable, plus facile et plus juste, parce que finalement on habite dans un contexte dans lequel le mot démocratie, c'est finalement quelque chose qui forme part de l'éducation et de le sentiment de toute la population. Donc même que la superficialité, peut-être l'esprit de vacances, peut faire nous oublier ce qu'il y a sur la sable, en même temps, on doit penser que l'Europe vit de moments très difficiles, de moments dans lesquels il y a un questionnement de principes plus profonds et qu'il y a des idées à l'atmosphère qui sont très dangereuses parce que quelquefois, apparemment, ce sont des idées qui sont pleines d'émotions et
d'apparente innocence. C'est pour ça que le témoignage de l'exil et les témoignages des Espagnols qui ont participé dans cet exil et qui sont reçus en France, et de fils qui ont vécu et ont été éduqués dans l'esprit républicain français, sont en même temps le plus clair, évident représentant de cet esprit démocratique, de cet esprit pour préserver le plus important de nos régimes, de nos systèmes. Ce sont les droits fondamentaux de chaque personne. La liberté de réunion, d'expression, et surtout cette liberté que même dans notre générosité nous permet quelquefois de laisser et donner la voix à ceux qui n'aiment pas vraiment la liberté. C'est pour ça que c'est très important qu'on se rappelle dans quelle situation on se trouve, donc d'être conscient de chaque moment, et que le témoignage que vous amenez ici, ce n'est pas un témoignage historique. Ce n'est pas une chose qui elle arrive du passé, mais c'est le moment présent et surtout qu'on doit travailler et lutter pour notre futur, parce que c'est le futur de nos fils, le fils de l'exil, le fils de tous ceux qui ont lutté pour la liberté et pour la démocratie. En tout cas, je finis mon commentaire simplement pour souhaiter un joli dimanche et que cette présence à vous soit la continuité de la dignité qu'on a eue dans notre passé commun, de français, d'espagnol. Merci beaucoup. Monsieur le Consul, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, voilà un peu un retour à des activités, des pratiques qui nous manquaient. C'est un peu aujourd'hui une renaissance, et je me faisais cette réflexion, cette renaissance, eh bien, le fait de nous retrouver enfin, depuis autant de temps sans nous voir, cette renaissance, ça démontre certainement que la mémoire a son immortalité, puisque cette renaissance fait preuve que tout ça va se poursuivre, comme le souhaite la Présidente, le fait de transmettre cette période si difficile à nos enfants, à nos successeurs, c'est quelque chose que nous tenons particulièrement ici à Argelès-sur-Mer, puisqu'Argelès-sur-Mer a son histoire qui est ancrée dans cette période. Je veux remercier le consul d'Espagne pour sa présence, parce que j'ai souvenir, et un souvenir qui n'est pas très ancien, j'ai souvenir d'avoir vécu ici, j'en ai encore la chair de poule, d'un moment historique. Il y a 3 ans, en 2019, le Premier ministre Pedro Sanchez, alors, quelle que soit l'opinion politique que nous ayons les uns et les autres, ça n'a rien à voir. J'ai vécu ici avec beaucoup d'entre vous, avec Madame la Présidente Jacqueline de Payrot, mon amie, un moment que nous attendions avec tant d'impatience, avec tant de ferveur, avec tant d'envie, que nous attendions, nous, aujourd'hui ici, et qu'attendaient certainement ceux qui nous ont précédés et qui ne sont plus là. Ce moment où l'Espagne, le pays d'Espagne, a regretté, s'est repenti pour la violence qu'il avait faite à ses enfants. J'ai entendu ces mots ici, à ce même monolithe prononcé par le président Pedro Sanchez, et ces mots ont été certainement, dans ma carrière politique, un des moments qui me rendait le plus fier d'être en politique. Donc, monsieur le consul d'Espagne, sachez que c'est une grande émotion qui a été vécue ici, et ça va nous permettre de construire et de continuer encore notre marche. Cette marche, je l'ai vécue avec vous, évidemment, depuis la salle Jean Carrère. Et bon, c'est une marche de la mémoire, c'est certainement pas une marche de la tristesse, ni même pas une marche funèbre, parce que tout le monde avait tant plaisir à se retrouver, avait tant plaisir à réévoquer des moments vécus ensemble que, en fait, les sourires étaient sur tous les visages. Et ça, c'est réconfortant, parce qu'on n'est pas dans la tristesse. On est dans la volonté de se dire, et dans l'espoir de se dire que
il y aura toujours des hommes et des femmes pour se battre pour la liberté. C'est ça que, c'est ce que nous représentons ici aujourd'hui. Donc, je suis heureux que l'association Free, beaucoup d'entre eux sont présents ici, que vous tous qui êtes présents chaque année, nous permettiez de vivre ce moment historique, ces moments que nous attendons tant. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue à tous ces hommes et ces femmes qui viennent au-delà de la frontière, existe encore cette frontière malgré tout, mais ils sont là parce qu'ils ont aussi quelque chose à partager avec nous. Je veux particulièrement saluer la municipalité de Montgat, qui est là présente. Je vous remercie de votre présence, parce que nous sommes à Germanat, ils continuent de s'aider. Donc merci à vous tous de nous permettre de vivre ces moments dont nous avons finalement besoin. Alors, merci de votre présence et que tout ça perdure le plus longtemps possible. C'est aussi un symbole que le représentant de l'Espagne et le représentant de la France ici sur ce territoire, ensemble, déposent une gerbe en mémoire des républicains d'Espagne. Vive la République espagnole. Vive, vive la Troisième République, elle arrivera, on la fera venir. Nous espérons. Oui. À la tercera. Et nous ferons tout. Tous ensemble. Donc maintenant, nous allons nous disperser et nous retrouver à l'espace Jean Carrère pour le repas tiré du Sard, ensuite des poèmes, et ensuite le salon du livre, et ensuite l'explication sur le centre de ressources qui s'organise et qui est déjà bien avancé, et ensuite pour nos chorales, et puis être ensemble toute la journée. Donc ceux qui veulent bien nous suivre, nous allons revenir par une route plus droite vers l'espace Jean Carrère. Voilà, les autres, s'ils veulent s'attarder, à tout à l'heure à l'espace.